Bonjour, merci de nous accueillir cette interview pour le site du VHS. Donc, votre équipe vient de s'imposer contre Vesoul sur le corps de 4-2. Donc, vous poursuivez votre série, votre très belle série en cours. Pouvez-vous nous donner votre réaction à l'issue et sur le résultat de cette rencontre? Moi, je pense que le score reflète complètement le match. C'est vrai qu'on sait que la répétition des matchs tous les trois jours fait qu'à un moment, et bien, sur la durée, sur un mois, les gens qui viennent avec un déplacement dans les jambes de plus de 400 km, ils vont payer. On l'a vécu à Épinal. Et on sait qu'aujourd'hui, il faut aussi intégrer ça. Les répétitions de matchs sur 2-3 mois fait que qu'on n'arrive pas avec les moyens nécessaires pour pouvoir vraiment à l'extérieur répondre à des matchs qui sont quand même assez difficiles. Bon, moi, mes joueurs, je sais qu'ils sont sur une spirale intéressante. C'est dommage que nous, on a loupé un petit peu le début de saison, parce que je pense qu'on avait les moyens d'aller bouger un peu plus tard. Mais comme il y a 4 descentes, vu le championnat comme il est compliqué, comme il n'est pas stable, ce championnat-là, sur mesure, il fallait à tout prix, surtout au goal à barrage, passer devant eux et être sûr que cette fameuse 4e place n'y soit pas. C'est tout l'objectif qu'on a aujourd'hui. Alors, c'est une belle victoire. Donc, vous marquez 4 buts, vous gagnez donc 4-2, vous étiez sur une série de matchs nuls. Donc, pour vous, c'est un résultat très positif ce soir. Oh, vous savez, on a mis 2-0 le lead là, on devait gagner aussi sans problème, on a eu des fautes d'inattention. Là, on est à 3-0, on fait des fautes d'inattention, on relance le match. Oui, on est sur une série, mais surtout on gagne les matchs qu'il faut gagner, quoi. Surtout on fait les nuls qu'il faut faire les nuls. Hein. Mis à part 4-5 nuls qui auraient dû basculer en victoire, le reste, c'est vraiment des nuls où on s'est vraiment construit. J'ai une équipe qui est intéressante, qui est jeune, qui est costaud, qui est en train de prendre la mesure de ce championnat-là. On n'est pas plus royaliste que le roi, on sait que les nuls mentalement nous construisent, ils nous laissent d'être capables d'être très costauds dans les matchs à l'extérieur, même sur les matchs à domicile comme aujourd'hui Vesoul, qui était pour moi un match très très important. Bah, les garçons ont su faire les efforts qu'il fallait faire. Eh bien, écoutez, merci beaucoup et puis bonne continuation dans le championnat de CFA. À vous aussi, j'espère que Vesoul va se maintenir. Merci.